Provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de materia. Ma mission est d'infiltrer la compagnie Shinra et de voler leur materia ultime. Je vais leur prouver notre ténacité et notre grande détermination. Chers alliés d'Avalanche, nous vous remercions pour votre aide. On les aura. D'ailleurs, en parlant de ses alliés... Ils sont même pas là! Personne n'est venu me chercher ou quoi? Alors... Un chapeau de Mog... Hein? Ils veulent que je cherche des dessins ou quoi? Ah, je vois! Vous faites ça pour me tester, hein? Ah, comme vous voudrez.
lui. Est-ce que ça va? Ohé! Alors, faut que je fasse descendre l'ascenseur pour pouvoir continuer, hein? Complètement en ruine ici. On m'avait pourtant dit que Midgar était une ville super impressionnante. Ça me fait bien rire, tiens. Elle pourrait s'effondrer toute seule avant même qu'on vienne l'attaquer. Votre compte, sale bête!
Je commence déjà à me faire à l'odeur. On s'habitue sûrement à tout. Et c'est comme ça qu'on finit perverti par la vie, hein? Ben moi, je changerai pas. Bon, par contre, il y a toujours personne. Yop ! Sur des créatures. Les créatures sont excitées à cause des explosions. Le mieux, c'est encore de pas aller là-bas. Si le Wutai est vraiment impliqué dans cette histoire, c'est pas étonnant. Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Oh oui, trop bien, trop bien! Et c'est Avalanche qui a fait ça? C'est bien joué! Bravo, les gars! J'ai une surprise pour eux, moi aussi. Yuffie! Salut. Oh! Ouais, voilà le Mog! Alors, t'es d'Avalanche? Je m'appelle CJ. Viens avec moi. Mais, attends une seconde! Je me demande juste... Hé, CJ, pourquoi t'es pas venu me chercher plus tôt? Parce qu'on m'a dit que les W étaient des combattants bien entraînés. Même si on est bien entraînés, on peut pas deviner où vous êtes. Et puis d'abord, c'est quoi les W? Les W, c'est les gens de ta nation. C'est un simple nom de code. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils envoient quelqu'un d'aussi jeune. Un problème, je pourrais te botter le train. Je disais ça dans le bon sens du terme. Non mais, hein, t'essaies de te rattraper, là. Tu me prends pour une débile. T'as du mordant, toi. Je me laisse pas marcher sur les pieds. C'est ici. Vas-y, tu peux entrer. À en croire les infos, ils sont pas fait arrêter. En tout cas, quand ils sont de retour, on va bien fêter ça. J'ai trop hâte de manger la pizza de Jesse. Sauf qu'il y en aura pas pour toi. Hein? Pourquoi? Eux, c'est Billy Bob et Polka. Et elle, c'est Nayo. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de materia. Ma mission est d'infiltrer la compagnie Shinra et de voler leur materia ultime. Je vais leur prouver notre ténacité et notre grande détermination. Chers alliés d'Avalanche, nous vous remercions pour votre aide. On les aura. T'as la pêche, toi! J'ai de l'énergie à revendre! Au fait, vous avez vu Sonon, mon partenaire? Il est arrivé? Ouais, il y a 3 jours. Il est parti faire un tour. J'ai l'impression qu'il s'amuse bien ici. Il s'amuse bien? Dis-moi, Yuffie, t'as des bagages? Bien sûr que non! C'est la honte pour un shinobi de se trimballer avec tout un barda! Tenez, goûtez-moi ça! Ce sont les célèbres fèves d'Achao du Wutai. Hein? Attends, ça se mange vraiment, ça? Wow, impressionnant! Les shinobi ont une mâchoire d'acier. Bon, Yuffie, attends ainsi que Sonon revienne. Je dois aller faire un tour. Je crois que je vais pouvoir vous récupérer des identifiants. Dans ce cas-là, je viens avec toi.
Vaut mieux que j'aille seul. Tu sens les embrouilles à plein nez. T'as la bougeotte, toi. Il y a quelques trucs que j'aimerais vérifier avec vous. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour aller là-haut? Ah, alors ça... Avec un identifiant, il suffit de prendre le train et on arrive en haut sans problème. Mais en ce moment, tu sais que c'est un peu la panique. Le niveau de vigilance a augmenté dans toute la ville. Du coup, il faut faire profil bas quelque temps. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Faire profil bas, c'est comme une punition pour moi. Tu ferais mieux de pas sous-estimer la Shinra. Ouais. Mais t'es peut-être même pas sûr du chemin pour aller à la tour. Billy Bob pourra t'expliquer. Ok. Mes dents. Dis-moi plutôt, la matéria ultime, elle est bien dans la tour Shinra, hein? Elle est où exactement, cette tour? Tu débarques tout frais de ta campagne, toi, hein? Pardon? C'était pas méchant. Tu l'as sûrement remarqué, mais il y a toute une ville divisée en secteurs, suspendue au-dessus de nos têtes. La tour Shinra se trouve en plein centre. Elle s'élève super haut. Ah, c'était ça! Je me disais bien. Si t'as des questions sur l'intérieur de la tour, demande à Nayo. C'est elle qui s'y connaît le mieux. Le voyage a dû être fatigant. Tu devrais te reposer. Dans une ville aussi bruyante que ça, c'est impossible. Mais dis-moi, tu sais où est-ce qu'il la cache, toi, cette matéria ultime? Dans quel endroit de la tour Shinra, exactement? C'est une bonne question. À vrai dire, on n'a pas encore localisé son emplacement précis. En tout cas, on sait que la compagnie Shinra considère les matérias surtout comme des armes. Ce qui veut dire que c'est le département de l'armement qui s'en charge. Et comme ce département est au sous-sol... D'accord, je vois. Alors, la matéria ultime est cachée au sous-sol de la tour Shinra. J'arrive, ma petite matéria. Reste où tu es. Il faut quand même être prudent. D'accord? Avant de ressortir, tu voudrais pas qu'on te donne un peu plus d'infos? Yuffie, t'as entendu parler des simulateurs? Hein? Oh, ouais, bien sûr. C'est, des stimulateurs, quoi. C'est fait pour stimuler. Ouais, je connais. Hein? Ah, ouais. Ça peut stimuler, c'est sûr, vu que ça permet de combattre dans un espace virtuel. Et en fait, je connais quelqu'un qui a un simulateur en version portable. Ah ouais? Un tout nouveau modèle, qu'on voit rarement, même à Midgar. T'en dis quoi? Tu veux essayer? J'ai pas franchement besoin d'un stimulateur, moi, mais bon... Ouais, si c'est rare en plus, ça peut être sympa d'essayer. Il est devant le poste de garde de la milice. Il s'appelle Chadley. Il a l'appareil avec lui. T'as qu'à aller le voir si ça t'intéresse. Tu t'ennuies? Si tu veux, on peut faire une partie de Fort Condor. Une partie de Fort Condor? Désolé, les W ne doivent pas connaître. C'est vrai que c'est plutôt récent. Tu te moques de moi, là? Je connais très bien, qu'est-ce que tu crois? Je vais te la faire, moi, ta partie de Fort Condor. Bon, je te rappelle quand même brièvement les règles.
T'es balèze, Yuffie. Et dire que je viens tout juste de t'apprendre les règles. Ah bon, tu trouves? C'est peut-être toi qui es nul à ce jeu, en fait. Tiens, si tu veux, il y a déjà plein de joueurs vraiment bons dans le coin. T'as qu'à les affronter. Je suis en mission, moi. J'ai mieux à faire. T'es sûr? Il paraît que la personne qui vaincra le champion gagnera un prix et une super materia. Une materia? Ouais. Les bons joueurs ne jouent que contre ceux qui sont de leur niveau. Mais je pense que tu pourrais faire tes preuves. Ils ont qu'à bien se tenir. Yuffie, tu préfères pas attendre que Sonon revienne? Il en met du temps, Sonon. Il doit être encore à Wall Market. C'est quoi, Wall Market? Pour faire simple, disons que c'est un quartier pour adultes. Un quartier pour adultes? Il y a des commerces un peu spéciaux. Je sais pas trop comment t'expliquer. Ouais, je crois que je vois à peu près le genre. Des endroits où les gens mangent de la bouffe épicée et boivent des trucs amers en faisant semblant de trouver ça super bon. Hein? Et après, ils sont bourrés et ils radotent au sujet de leur époque et de comment ils en ont bavé. Les jeunes de nos jours sont irresponsables. Ils devraient se regarder, ouais. C'est la déchéance totale. Il y en a un dans mon village aussi. Un de ces commerces pour adultes. Ça s'appelle la Tortue Joyeuse. Il y a justement une Tortue Joyeuse à Midgar aussi. Non? J'y suis jamais allée moi-même, à vrai dire. Je sais même pas où c'est, mais j'ai déjà vu des prospectus. Ça alors? Oh. C'est peut-être une opération de dépravation de Midgar. C'est bien joué, ça, Tortue Joyeuse. Au fait, il y a un gars qui colle des prospectus de la Tortue Joyeuse. On l'appelle l'Homme Tortue. Il a une dégaine si particulière qu'on peut pas le rater. Tu pourrais le chercher? Ouais, bonne idée. Je vais même lui offrir des fèves d'Achao. Oh, bon, je commence à en avoir marre d'attendre, moi. Je vais faire un peu de reconnaissance. Ça marche. Essaie quand même de pas trop t'éloigner. Cette tenue, on dirait une gamine de 5 ans. Hein? Ça fait gamine, ça? Tu trouves pas que c'est super mignon? Eh ben, si tu penses ça, c'est que t'as aucun sens du style. Elle est gonflée, celle-là. Hein? Oublie ça. Tu veux pas jouer contre moi? J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Tu pouvais pas mieux tomber. Mais comme je l'ai déjà dit, je fais pas ça gratuitement. Ce sera 3 guilles la partie. Il paraît que c'est le Wuta et les vrais responsables. Il va vraiment y avoir des limitations d'électricité? J'espère pas, ce sera embêtant. Tu m'as fait peur! Faut pas me surprendre comme ça! D'ailleurs, t'es qui, toi? T'es qui, toi, d'abord? Qu'est-ce que tu fais caché comme ça?
Tu m'as l'air bien louche. Laisse-moi deviner, t'es un espion de la Shinra. Hein? Mais n'importe quoi. C'est juste... disons que... j'ai mes raisons. Ah. Pour tout avouer, je compte me faire plein de fric à Fort Condor. J'espère bien devenir très riche. Toi aussi, tu veux battre le champion? Malheureusement pour toi, tu ne remporteras jamais ce prix. Parce que c'est moi qui vais gagner. Non mais attends, tu rêves là? Moi j'ai misé ma vie sur ça. Hors de question que je te laisse gagner. Hein? J'ai bien peur que la guerre contre le Moutaï reprenne. Regarde cette fille! Elle a une capuche de Mog. Wow, c'est spécial. Je sais pas si je sais. C'est bizarre qu'on ne rapporte pas les motos. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour nous, ça change rien du tout. On a protégé parfois cet endroit. Si les trains continuent... Recherche de collaborateurs en cours. Les directeurs de la Shinra... Collaboratrice potentielle en vue. Collecte des données analysables en cours. Petite stature, mais bonne musculature. Mouvement extrêmement agile. C'est un sujet adéquat. T'es qui, toi? Tu comptes marmonner longtemps comme ça? Je m'appelle Chadley. Si vous avez le temps... accepteriez-vous de collaborer à mes recherches? Moi, c'est Yuffie. Enchantée. Et donc, c'est quoi tes recherches? Je recueille et analyse les données de personnes qui affrontent des espères virtuels au moyen de ce simulateur de combat portable. Ah, ça m'a l'air plutôt rigolo. Je suis partante. Vous êtes partante? Vraiment? Yeah!
incroyable. Grâce à l'analyse des données de votre combat, j'ai réussi à synthétiser une matéria d'invocation. Vous êtes, si j'ose dire, plus rapide que l'éclair, Yuffie. Avec l'aide de Ramu, le seigneur de la foudre, vous deviendrez une véritable tempête. Tout le monde sort de sa carapace à la tortue joyeuse. Tiens, tiens, mademoiselle, seriez-vous venue m'apporter des prospectus? Prospectus? Vous savez bien, la chasse aux 6 prospectus de la tortue joyeuse, notre grand concours de campagne publicitaire. Vous n'êtes pas au courant? Non. Dans ce cas, je vais vous expliquer. Pour promouvoir mon bar, la Tortue Joyeuse, j'organise un jeu consistant à récolter 6 prospectus dans divers endroits du bidonville du secteur 7. Les personnes qui me rapporteront tous les prospectus gagneront un magnifique cadeau. Mais avec les incidents des réacteurs Mako, il y a beaucoup de gens ici qui voient désormais le Wutai d'un très mauvais œil. Certains ont caché mes prospectus. Du coup, je n'ai pas eu encore un seul gagnant. Pas cool, ça. Ah, et moi qui me suis donné tant de mal. Cependant, c'est une chance inespérée pour vous. Que diriez-vous de retrouver les 6 prospectus du bidonville du secteur 7 et de devenir ainsi la toute première personne à remporter le cadeau? Regardez, c'est ce genre de prospectus. Il est beau, n'est-ce pas? Allez, je compte sur vous pour fouiller le quartier dans ses moindres recoins. C'est comme si c'était fait. Mais au fait, mademoiselle, auriez-vous des jetons de Condor par hasard? Pour tout vous dire, je me suis lancé dans la collection de ces jetons. Si vous voulez bien m'en donner, je vous les échange contre divers articles. Son nom est peut-être revenu maintenant. Je suis de retour. Te voilà, Sonu. Yuffie t'attendait avec impatience. T'exagères! Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste que tu ressemblais pas à ton père. Enchanté, Yuffie. Je m'appelle Sonu Kusakabe. Ton père m'a lui-même enseigné les arts martiaux. Commence pas avec ça, j'ai vraiment pas envie de parler de lui. Parlons plutôt de toi. Il paraît que tu t'es bien habitué. Que tu t'amuses dans le quartier pour adultes. N'essaie pas de le cacher. Tu as bu de l'alcool, non? J'ai pas envie d'un partenaire qui se comporte comme un vieux pilier de comptoir. Attends, dis-moi. T'es allé à la Tortue Joyeuse? Si c'est pour l'opération de dépravation de Midgar, alors je suis prête à t'aider sans problème. Eh ouais, je suis bientôt une adulte, qu'est-ce que tu crois? T'as pas perdu de temps pour te méprendre sur mon compte. Une telle opération pourrait être amusante, mais je la connais pas. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Je te suis, chef. Chef? Qui, moi? J'ai beau être beaucoup plus âgé que toi, t'as plus d'expérience que moi en tant qu'agent. Ah bon? C'est pas mal, chef. Ça me plaît bien. D'habitude, les gens me traitent toujours comme une gamine. On va dérober la matéria ultime et fêter ça à la Tortue Joyeuse. Ah, oui, oui. Oh, un pigeon? Ça dit que le paquet est prêt. Il faut aller le chercher à la zone des entrepôts. Ok. Yuffie, Sonu, vous pouvez m'accompagner? Avec plaisir. On va bien observer. C'est toujours bon d'étudier l'ennemi. On va traverser des endroits dangereux, alors préparez-vous bien. Je vous attends dehors. Vous aurez qu'à me rejoindre quand vous serez prêts. Ça marche!